Et salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo particulière. En effet, la Country Club Tennis Academy m'a invité pour une journée en immersion dans leur infrastructure. En plus, l'académie se trouve dans ma ville natale, Aix-en-Provence, donc j'ai directement dit oui. Je vais vous présenter un petit peu tout ça, c'est parti, let's go! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Bonjour à tous, alors je m'appelle Rodolphe Cadar, je suis directeur de la Country Club Tennis Academy et aujourd'hui, petite interview et entraînement avec Maxime Dubouche et Louis Tessa. Mon expérience, moi j'étais joueur de tennis professionnel, j'ai été 17e joueur français et 100e à l'ATP à la Race et j'ai arrêté ma carrière à 27 ans et après d'avoir gagné plusieurs futurs, plusieurs tournois français, j'ai décidé d'arrêter ma carrière et de me lancer dans le coaching. C'était assez naturel chez moi parce que déjà à cette époque-là, on était entre joueurs quand on partait sur les tournois internationaux, on s'entraidait, on essayait de s'entraîner pour progresser parce qu'on n'avait pas forcément l'argent pour partir avec un coach. Donc à 27 ans, j'ai passé mes diplômes à la fédération, mon BE1 et mon diplôme de haut niveau. Et ensuite, j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à coacher des joueurs juniors régionaux de la Provence Alpes-Côte d'Azur. Et très vite, j'ai eu un petit groupe de 4 joueurs et au bout de 2 ans, j'ai eu un groupe de 10 joueurs. Et donc là, tout naturellement, j'ai créé cette académie pour avoir une structure plus complète, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux dans la structure du Country Club Aixois, une magnifique structure où, vous verrez tout à l'heure, on a des cours en terre battue, des cours sur gazon, des cours en dur, des cours couverts. On a 5 cours couverts, c'est assez rare dans la région. Et on a une piscine aussi qui est très sympa pour pouvoir un peu s'entraîner et aussi se détendre à la piscine tout l'été. Effectivement, le cadre est une partie importante au sein de l'académie, mais c'est surtout que le Country Club Aixois est déjà une structure très compétition. Il y a plus de 100 enfants en école compétition, il y a plus de 100 enfants qui jouent des tournois tout au long de l'année. Et donc en fait c'était une continuité de créer l'académie pour que certains enfants, s'ils veulent faire plus, s'ils veulent aller au plus haut niveau, ils peuvent s'entraîner au sein de notre académie. Notre académie, elle fait l'école le matin, donc ça c'est normal, tout le monde fait ça et tout. Ensuite on a voulu mettre l'individu dans le projet, on a voulu individualiser au maximum et donc en fait nous ils sont que 2 par terrain et 2 par coach. Donc ça veut vraiment dire qu'on cherche à être précis, on cherche à bien les entraîner, on cherche à les faire évoluer et tout. Et ils sont vraiment 2 par coach pour les faire progresser au maximum. Tout l'été, si vous voulez découvrir notre académie, vous pouvez venir au Country Club Aixois. En fait, des infrastructures de dingue, des stages de haut niveau ou même chose, ils sont 2-3 maximum par coach et par terrain où on cherche à chaque fois à faire évoluer, on cherche la performance. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Tessa, j'ai 23 ans, je suis numéro 80 français et je suis à l'académie depuis le mois de septembre 2020. Parce que en fait ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur Aix-en-Provence, Rodolphe m'avait déjà entraîné et puis je suis revenu ici parce que je m'entends très bien avec tout le monde, avec les deux entraîneurs physique et tennis. Une journée type, je fais à peu près 1h30, 2h de tennis le matin, après j'enchaîne avec 1h30 de physique et re 2h de tennis l'après-midi. Partie nutrition, ouais, j'en parle plus avec mon entraîneur tennis aussi qui connaît le sujet. Donc voilà, et après il nous apprend, on faut aussi qu'on soit autonome et donc on fait attention par nous-mêmes car c'est notre sport et c'est notre outil de travail. Préparateur mental mais hors académique s'appelle Pierre Gauthier. Je prends mes rendez-vous directement avec lui et puis après Rodolphe et Sébastien, mon coach physique et tennis, s'adaptent pour le planning de la semaine en fonction. Ok. Euh,
Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Dubouche, j'ai 17 ans, je suis moins de 6. Je suis à l'académie depuis 2 ans maintenant. J'ai choisi la Country Club Tennis Academy pour l'environnement, la structure, l'ambiance avec les coachs, les joueurs. Et surtout l'ambiance, voilà, tout le monde s'entend bien et je m'y plais énormément ici. Bon, alors je m'appelle Sébastien Rocher, 33 ans et préparateur physique, entraîneur tennis depuis bientôt 10 ans. Le Seb, c'est surtout amener des valeurs de travail, voilà, d'intensité, des valeurs plutôt liées à l'état d'esprit pour les joueurs et les sportifs de haut niveau. Voilà, avec ma méthodologie, je m'appuie sur les préférences motrices en fait, qui sont. C'est une méthode un peu pour s'adapter justement à la motricité de chacun. Et ensuite, j'adapte ça, moi, par rapport à mon vécu de joueur et d'entraîneur. Enfin, je fais un bilan de chacun, au cas par cas, en début d'année, pour m'appuyer justement sur leurs forces, leurs faiblesses. Et puis ensuite, j'adapte ça au quotidien avec un objectif à moyen et long terme. Les blessures, alors c'est d'autant plus préoccupant pour moi parce que j'ai des jeunes qui sont en pleine croissance là, à l'adolescence. Donc je fais pas mal de travail de renforcement, de mobilité, de gainage pour prévenir tout ça. Et puis si jamais finalement on arrive sur une blessure, et ben j'amène du repos ou alors en lien avec les kinés ou le corps médical, on gère ça au quotidien. Cette semaine d'entraînement avec Nicolas, on a mis en place pas mal d'exercices, notamment sur le service et les premiers coups de raquette. C'est un peu compliqué de travailler en ce moment parce qu'il joue beaucoup en tournoi. Mais du coup, tous les matins, on essaie de travailler un petit peu parce qu'il enchaîne de 2-3 matchs par jour. Donc du coup, l'important, c'est quand même de gagner ses matchs. Donc on essaie de ne pas trop le fatiguer. Mais voilà, les axes importants, c'est le service et le premier coup de raquette. My dad played here when he was playing professionally. He played in the tournament here. And his company, he sends French players to American colleges. So he has a close connection with a lot of these clubs. And then we were looking at a few, and then we stumbled across this one. And we liked the program, we liked Rodolphe. We like the schedule and playing a ton of tournaments and training. So we thought there would be good players. So yeah. Bonjour, je m'appelle Frédéric Mazel, je suis coach Soyez Pro. Donc ça veut dire soyez posé, respirez, observez, et je travaille à l'académie du Country Club Aixois. Mon background par rapport au tennis, à la base j'étais moniteur de club. J'ai commencé à me former en 2012 avec la philosophie Soyez Pro. Et avec Ronan Lafay, et je suis arrivé à l'académie il y a 3 ans. Alors je dirais plus une philosophie, la philosophie Soyez Pro, c'est apprendre à se connaître et faire en sorte que le joueur se découvre, apprenne à se connaître pour progresser autour de 5 grands thèmes qui sont le calme, la gestion des émotions, le détachement, l'estime, la concentration. J'invite les joueurs à travailler leur mental, qu'ils fassent du physique, qu'ils fassent du tennis, qu'ils fassent de la méditation,
que ce soit pendant leur cursus scolaire, apprendre à se concentrer, apprendre à être calme. C'est vraiment la base du haut niveau. La pratique, c'est très simple. C'est déjà qu'ils soient capables de décrire leur météo interne, à savoir dans quel état mental ils sont, dans quel état corporel ils sont, et de manière à pouvoir préparer l'entraînement de manière optimale. Je m'appelle Dominique Raguin, 45 ans, donc je reviens d'une quinzaine d'années en Afrique où j'avais monté une académie au Botswana, en Afrique australe, académie de tennis, et j'emmenais des jeunes sur des tournois, sur des tournées au Zimbabwe, en Afrique du Sud et à travers le Botswana. Je suis revenu ici il y a 3 ans et donc je suis tombé un petit peu amoureux de l'académie du Country Club Aixois qui avait été créée par Rodolphe Kadar il y a 7-8 ans, qui s'appelait Provence Tennis Academy. Maintenant, elle est renommée donc la Country Club Tennis Academy. Et j'ai donc mis en place depuis un an et demi que je suis avec l'académie, le tennis études et puis l'internat pour qu'on puisse accueillir des jeunes. Notre cœur de métier, c'est vraiment les jeunes de 11 à 18 ans pour les amener vers le tennis de haut niveau, qu'ils aillent soit sur une carrière professionnelle, futur challenger, soit vers un collège études aux États-Unis avec une bourse études. Et donc, on les accueille en général entre 11 et 15 ans. Ils restent avec nous 3 à 5 ans. Et puis ensuite, ils vont poursuivre leur projet à haut niveau sur le circuit aux États-Unis. Ici, donc, nous avons une maison avec 7 chambres qui nous permet d'accueillir jusqu'à 10 internes dans un environnement familial, puisque j'accueille donc les joueurs de l'académie qui sont en internat avec ma famille, ma femme, moi-même, mes 3 enfants. Et ça leur permet d'être dans un environnement social à l'extérieur du tennis. Ils ont donc le matin la scolarité, je vais expliquer comment ça fonctionne dans une seconde. L'après-midi, ils ont donc tennis, physique, entraînement physique, et puis kiné, ostéopathe si besoin. Et en dehors de ça, ils ont leur vie sociale et leur repas ici à la maison avec la famille, les copains pour jouer dehors, tennis volley, foot, ping-pong, différentes activités, ou se relaxer. Au niveau de la scolarité, j'ai donc mis en place la scolarité du tennis études qui est basée sur le système du CNED. Tous les gamins donc suivent le CNED de la 6e à la terminale. C'est un environnement très cadré, structuré, où le matin, tout le monde est levé à 7 heures. Ils ont leur temps d'études supervisé donc dans la matinée. Coup par coup, quand il y a besoin, que nous les aidons. Nous pouvons les aider dans tous les sujets. Et nous sommes compétents dans tous les sujets, excepté peut-être l'espagnol. Mais nous avons un Mexicain avec nous, donc il est capable de les aider dans ce domaine-là. Et puis, du coup, ça permet de s'assurer que les enfants progressent à leur vitesse, mais aussi à la vitesse nécessaire pour avancer dans le programme et finir en temps et en heure le programme de l'année scolaire, ce qui nous permet jusqu'à maintenant d'avoir 100% de réussite chaque année et d'avoir en fait d'excellents résultats et puis surtout des enfants qui grandissent, qui s'épanouissent sur le terrain et en dehors du terrain, qui s'épanouissent aussi bien en termes de devenir des joueurs de tennis, qui sont capables de gérer leur potentiel physique, progresser au niveau technique et tactique, mais également qui s'épanouissent en tant que personnes, qui sont capables de vivre en autonomie, d'organiser un voyage, de prendre soin d'eux-mêmes, éventuellement de faire la cuisine ou de prendre soin de leurs affaires, leur linge, etc., faire le ménage dans leur chambre, mais surtout vivre en communauté avec les autres, savoir gérer les écrans, que ce soit téléphone ou ordinateur, et tout ça de manière saine, pour pouvoir apprendre ce que c'est que vivre heureux avec des autres dans le monde d'aujourd'hui sans se laisser envahir et dominer complètement par les écrans et se replier sur soi-même avec son écran. Voilà. Et voilà, cette journée touche déjà à sa fin. Donc vraiment, merci beaucoup à la Country Club Tennis Academy de m'avoir accueilli. Comme vous avez pu le voir, vraiment, de très belles infrastructures, un très beau cadre pour la progression des joueurs, que ça soit sur le plan scolaire, tennistique, physique, mental, également un bel esprit de famille. Ça se fait tout dans la bienveillance, donc ça fait vraiment plaisir à voir, d'autant plus avec Aix-en-Provence qu'il y a une telle académie. C'est super pour tous les joueurs qui veulent progresser, qui veulent améliorer leur performance, aller au plus haut niveau. Donc je vous invite vraiment à vous y intéresser. D'ailleurs, je suis en compagnie de Flo, qui s'occupe de la communication
de l'académie. Vous le connaissez déjà, salut Flo. Salut à tous. Du coup, si vous avez des questions, je vous invite à aller voir Flo et lui demander directement. N'hésitez pas à me contacter si votre enfant a un projet tennistique. Si vous qui regardez cette vidéo, vous voulez vous intéresser à une académie, c'est possible de s'inscrire pour la rentrée prochaine. Et également, à partir de tout ça, on va remettre en place ce système des stages intensifs. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.